À rebours, de Joris Carl Huysmans, paru en 1884, chapitre 8. Il avait toujours raffolé des fleurs, mais cette passion qui, pendant ses séjours à Jutigny, s'était tout d'abord étendue à la fleur, sans distinction ni d'espèce ni de genre, avait fini par s'épurer, par se préciser sur une seule caste. Depuis longtemps déjà, il méprisait la vulgaire plante qui s'épanouit sur les éventaires des marchés parisiens, dans des pots mouillés, sous de vertes bannes ou sous de rougeâtres parasols. En même temps que ses goûts littéraires, que ses préoccupations d'art s'étaient affinées, ne s'attachant plus qu'aux œuvres triées à l'étamine, distillées par des cerveaux tourmentés et subtils, en même temps aussi que sa lassitude des idées répandues s'était affirmée, son affection pour les fleurs s'était dégagée de tout résidu, de toute lie, s'était clarifiée, en quelque sorte rectifiée. Il assimilait volontiers le magasin d'un horticulteur à un microcosme où étaient représentées toutes les catégories de la société. Les fleurs pauvres et canailles, les fleurs de bouge, qui ne sont dans leur vrai milieu que lorsqu'elles reposent sur des rebords de mansarde, les racines tassées dans des boîtes au lait et de vieilles terrines, la giroflée par exemple. Les fleurs prétentieuses, convenues, bêtes, dont la place est seulement dans des cache-pots de porcelaine peints par des jeunes filles, telles que la rose. Enfin, les fleurs de haute lignée, telles que les orchidées, délicates et charmantes, palpitantes et frileuses, les fleurs exotiques, exilées à Paris, au chaud, dans des palais de verre, les princesses du règne végétal vivant à l'écart, n'ayant plus rien de commun avec les plantes de la rue et les fleurs bourgeoises.